Shalom aleikum, salut et bienvenue dans cette vidéo. Ça va choquer, mais c'est comme ça. La paix entre Israël et la Palestine n'est pas pour aujourd'hui. J'en dirai encore même, ça peut choquer beaucoup de gens. On n'en parlera même plus de la paix jusqu'à ce qu'elle. Même la possibilité de, de, des États où il y a un État palestinien et un État israélien. Il est impossible. Peu importe les résolutions et tout ce que les gens peuvent parler, euh, les, conseils euh, les conseils de sécurité des Nations Unies, euh, les experts géostratégiques, géopolitiques, tout ce qu'ils peuvent dire, ça va amener nulle part. Et de toute façon, ce n'est pas la première fois. Il y a toujours des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, le blabla par-ci par-là. Mais il faut savoir que le problème d'abord est spirituel. Le problème de Jérusalem, le problème de euh, Israël, euh, euh, la Palestine est d'abord spirituel. C'est l'affaire d'Élohim et Satan. Alors, euh, on ne peut pas parler d'Israël sans Jérusalem. Vous voyez on ne peut pas parler d'Israël, d'un État hébreu, sans, sans Jérusalem. Et on ne parlera même pas de Jérusalem sans le temple de Yahweh, d'Elohim d'Adonai. Sans le temple, il n'y a pas Jérusalem. Sans Jérusalem, il n'y a pas Israël. La capitale d'Israël, ce n'est pas Tel Aviv. C'est Jérusalem. C'est là connu Parce que personne ne peut changer... Les prophéties, ce n'est pas le Conseil des Nations Unies, ce n'est pas la communauté internationale qui vont changer les prophéties ou les paroles que l'Éternel a adressées à son serviteur Abraham, Isaac et Jacob. Voire même Satan est incapable de changer. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est juste des troubles pour que le sang coule. Mais il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas des états côte à côte. Euh, le pays de Cana a été donné à Abraham et à ses descendants. Euh, la descendance d'Abraham, ici qu'on parle, c'est Jacob. Jacob, c'est Israël. Parce que le problème, premièrement, est spirituel. Les satanistes, peut-être, les savent s'ils ignorent. Bon, voilà. Parce que chez eux, ils ne disent il pas la vérité. De toute façon, Satan ne parle pas, ne dit pas la vérité. Ils savent tout ce qui se passe de foi. C'est bien. C'est le problème entre l'éternel, Dieu et Satan. Satan veut effacer Satan, veut que euh, Israël n'existe plus. En utilisant l'Iran... Et toutes les nations, les autres nations et Ara pour combattre Israël. Mais c'est écrit, c'est écrit. En fait, c'est des choses qui ne vont pas aboutir. La situation sera restera euh, tendue. Elle va rester tendue jusqu'à ce que Yehouchoa, Amasia viendra. Oui, la situation va rester tendue. Peu importe tout ce qu'on pourra dire, humainement par là, c'est souffrant. Politiquement par là, oui, il y a des intérêts de gauche à droite. Mais nous oublions que le problème est euh, complexe. Et surtout, c'est d'abord spirituel. C'est un problème qui est d'abord spirituel. Et ce qui est spirituel, ce n'est pas la chair qui va traiter, ce n'est pas l'ONU qui va traiter ça, ce n'est pas les, 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 les pays arabes qui vont traiter, ce n'est pas les armes qui vont traiter ça. L'attention restera. Comme cela jusqu'à ce que Yéhuchoa viendra. Ça a, ça a été choisi par Elohim le pays de Cana. Il a donné ça à Abraham et à sa descendance. La descendance d'Abraham, c'est Israël aujourd'hui. Peu importe tout ce qui se passe là-bas, tout ce qu'ils font, mais c'est la descendance d'Abraham. Politiquement parlant, c'est un problème. Il mène moi par là. Il y a des soucis de tout ce qui se passe au Moyen-Orient, mais est, les problèmes spirituels et surtout c'est la prophétie, c'est la parole qui a été parlée. Nous allons lire ici euh, quelques prophéties concernant la situation au Moyen-Orient entre Israël et, et, et la Palestine. La plupart des prophètes de l'Éternel ont été tués à Jérusalem, et même notre Seigneur Jésus-Christ Joshua, qui va aussi revenir toujours à Jérusalem, a été crucifié à Jérusalem, Dieu à Jérusalem, laissant beaucoup couler à Jérusalem, laissant des prophètes couler à Jérusalem. Et c'est Jésus qui est parti, qui a été crucifié eh, à Jérusalem, reviendra aussi, il posera ses pieds sur les monts oliviers, sur la montagne des oliviers, il posera ses pieds là, il reviendra il y aura un moment, les choses vont s'ébarder. la tension deviendra de plus en plus. On lira ça, on va lire ça pour que chacun de nous puisse comprendre ce qui se passe. Il reviendra et pour poser ses pieds au mont des Oliviers pour mettre fin aux manœuvres du diable, parce que le diable utilise l'Iran, utilise les pays arabes pour que les troubles soient alimentés et que tout le monde trouve que Israël est méchant. Israël est dans son territoire. Le Seigneur, lorsqu'il apparaîtra, il mettra fin aux troubles qui sont au Moyen-Orient. Parce que Israël lui appartient. Israël, c'est son premier-né. Donc, ça ne sert à rien. Satan vous bouscule là. Satan pousse, pousse le, le pays arabe pour euh, qu'il y ait du sang, qui est des morts, qui est ait de ceci. Euh, il n'y aura pas la paix. Il ne faut jamais parler de la paix. Combien de fois on a fait, les conseils de, na, de sécurité des Nations Unies ont, ont condamné Israël par beaucoup de résolutions Elle a été appliquée. Je vois qu'aucune résolution n'a été appliquée. Et le monde dira Mais voilà pourquoi Israël, pourquoi Et les gens se mettent contre les Juifs. Ce n'est pas eux. Le problème, ce n'est pas on doit être contre les Juifs. Être contre les Juifs, c'est contre celui qui les a créés, celui qui les a donnés ces pays qui s'appellent Israël. C'était les pays où les canaan où habitaient des Éthiens, des Amoréens, des Philistins et tout consort. Et ces pays-là, l'Éternel a confié cela à Abraham et à sa descendance. On peut parler des deux États qui peuvent cohabiter ensemble. Ça, c'est impossible. Vous serez choqué, mais c'est impossible. Ça sera impossible. Israël ne peut pas partager son territoire avec la Palestine. Non, 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 non. Cet héritage appartient à Jacob pour toujours, jusqu'à ce qu'est. Vous verrez. Mais même si eh, tout le monde peut parler tout ce qu'on peut dire ici sur la terre, mais le problème est d'abord spirituel, et on verra la suite des temps. L'histoire, c'est beaucoup de guerres, de conflits armés pour l'histoire de Jérusalem. Jérusalem a été détruite au moins deux fois, assiégée 23 fois, attaquée à 52 reprises, conquise et reconquise 44 fois. Le problème de Jérusalem, d'Israël et de la Palestine est d'abord spirituel. Et toutes solutions humaines Selon les gens, resteront sans succès. Toute solution humaine resteront sans succès. C'est qu'on doit vraiment savoir et connaître. Alors, lisons un peu quelques écritures pour, euh, pour finir. Lisons un peu quelques écritures. Euh, lisons d'abord la prophétie de Jésus-Christ concernant la destruction de Jérusalem, concernant tout ce qui arrivera à Jérusalem. Je, lis, je prends le livre de Luc, chapitre 19 verset 41, et puis je vais lire, je vais lire là, 19, verset 41 à 44. Ça, c'est la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ, Joshua, qui reviendra, sur, qui posera, à son retour, il posera ses pieds euh, au, au mont des Oliviers, qui est à l'est de Jérusalem. Ça, c'est écrit. Et les gens ne veulent pas vérifier euh, pour ne pas comprendre les réalités, les vraies réalités. Regardez, euh, Jésus disait, comme il approchait de la ville, de, comme il approchait de la ville, Jésus, à la voyant, plaira sur elle et dit, si toi aussi, Jérusalem, au moins en ces jours qui t'es donné, qui connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il n'y aura pas la paix tout de suite. Hein? Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi, tes toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en à, à toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Vous voyez, c'est écrit, chapitre 21, c'est toujours les paroles du Seigneur. Verset 20 et verset euh, 22. La Bible dit ceci. Euh, lorsque vous verrez Jérusalem euh, investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs, n'entrez pas dans la ville, car ça, car ce seront des jours de vengeance, de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Vous voyez, tout ce que le monde est en train de faire là, chercher la paix, la paix, la paix, la paix, la paix n'existera pas, la paix ne viendra pas sans celui qui s'appelle la paix, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui viendra mettre fin à toutes les tensions, Moyen-Orient. Les Moyen-Orient, c'est juste contre Israël. C'est Satan qui menace l'existence d'Israël. Parce que la ville de Jérusalem, il y a des promesses, il y a des prophéties concernant cette ville. Cette ville appartient à Elohim. Euh, Zacharie chapitre 12, versets euh, 1 et 3. Zacharie chapitre 12. Je lis la Bible, hein? c'est dans la Bible, c'est pas un autre livre. Je lis la Bible. Dieu n'a pas besoin de ta foi pour accomplir ses promesses pour accomplir ses prophéties. Dieu n'a pas besoin de ta foi. Tout ce qui concerne Jérusalem, ça va s'accomplir. Ça n'a pas besoin de ta foi et que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, ça va s'accomplir. Regarde ce que Zacharie dit. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu le ciel et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au dedans de lui. Verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. <laughs> pour tous les peuples d'alentour. L'Iran, l'Irak, la Syrie, eh, la Turquie, l'Arabie saoudite, tout, la Jordanie, l'Égypte, tout. Pour tous les peuples d'alentour. Et aussi pour Judas dans le siège de Jérusalem. À ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples tous ceux qui la souleveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. <laughs> en ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai de tous les soins tous les chevaux et... Euh, non, je m'arrête au verset 3. Voilà, au verset 3. Ça, c'est l'Éternel qui fera. Parce que Jérusalem lui appartient. Israël et son peuple et sa nation. Il a choisi Israël tout simplement, pas les autres. Il a choisi cela et les territoires où était occupé, était occupé auparavant par euh, euh, les Cananéens. Euh, Zacharie chapitre 14, le prophète Zacharie chapitre 14. Nous lisons au premier, au premier verset. C'est un peu long, mais c'est par là que je veux finir. C'est pour vous dire qu'il faut lire les Écritures, vérifier, ne critiquez pas. Peu importe tout ce que les historiens, les historiens, les experts vont parler dans les médias occidentaux, partout, partout, partout. Mais il faut consulter aussi la Bible. Consulter la Bible. Pour finir, là-bas, on va dire Voici les jours de l'Éternel arrivent et tes puits seront partagés au milieu de toi. J'ai rassemblé toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Oui, le temps arrivera. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Verset 3. L'Éternel, il s'appelle l'Éternel des armées, paraîtra et il combattra ces nations. Comme il a combattu au jour de la bataille. Qui peut résister? Qui peut résister? Ses pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondra par les milliers à Lorient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Je vais au verset, euh, verset 9, pour ne pas lire tous les chapitres. Si tu as le temps, tu lis, pour ne pas lire tous les chapitres. Verset 9. L'Éternel sera roi sur toute la terre en ces jours-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Tout le peuple. Deviendra comme, et tout le pays deviendra comme la plaine de Geba, à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour d'Ananel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein et il y aura plus d'interdits. Jérusalem sera en sécurité. Jérusalem. En sécurité. Voici la plaie dont l'éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs leur yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leurs bouches. En ce jour-là, L'éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre. Et ils lèveront la main les uns sur les autres. Judas combattra aussi dans Jérusalem. Et Lohan amassera les richesses de toutes les nations. De toutes les nations. Hmm. Dans L'or, l'argent et les vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les millets, les, les chameaux, les ânes et, et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Verset 16 pour aller finir. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer les rois. L'Éternel des armées et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer les rois, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Vous voyez, je finis par là. C'est pour dire que toutes les grimaces que le diable est en train de faire au Moyen-Orient là-bas, ça va finir. C'est l'éternel qui mettra fin à cela. N'en déplaise, n'en déplaise à nous autres, n'en déplaise.